suis très content d'être ici à Pékin. Donc, et puis là, c'est une super expérience et je suis très content de pouvoir vivre ça. Je m'appelle Oscar Burnham, je fais du ski alpin. Ma maman, elle est italienne, mon papa, il est d'Angleterre. Mais on habite en France et puis moi, j'ai fait ma scolarité en France depuis tout petit. Donc, c'est pour ça que je fais partie de l'équipe de France. J'ai commencé le ski tout petit, une fois que je pouvais marcher. Parce que ma mère est monitrice de ski, donc une fois que je pouvais marcher, elle m'a mis sur les skis, elle m'a pris entre ses jambes, elle m'a fait glisser, donc depuis vraiment tout petit, quoi. Je m'en rappelle même pas. Ce que je préfère dans le ski, c'est la liberté, comme je disais, liberté de mouvement, pouvoir se déplacer sur n'importe quel terrain, être dans la nature, voir des super beaux paysages. En tant que jeune qui a grandi en station de ski, quand on est au club, on rêve toujours de faire partie des équipes internationales, de vivre des grands événements, faire des Coupes du Monde, des Jeux Olympiques ou Paralympiques. Donc franchement, j'étais très fier de pouvoir atteindre le niveau international. Et puis, moi, j'ai eu mon accident en 2018, donc j'ai perdu ma main, j'ai été amputé cette année-là. Et puis du coup, c'était l'année des Jeux de Pyeongchang et c'est vrai que du coup, je faisais de la compétition avant et je me suis dit que je pourrais recommencer la compétition cette fois-ci en handisport. Et c'est vrai que du coup, quand on tape Jeux Paralympiques sur YouTube en France, le premier truc qui apparaît, c'est Marie. Donc j'ai vu que ce qui est sur avec un seul bâton et puis du coup, je me suis dit ça a l'air sympa. Et puis je me suis dit pourquoi pas se lancer. Et puis du coup, je me suis lancé et... Donc, moi, je suis très fier d'être à ses côtés et puis... elle m'a toujours soutenu, elle m'a pris son aile. C'est un peu la grande sœur, donc franchement, ça fait plaisir d'être à ses côtés ici sur ces Jeux. Comme tout le monde, gagner une médaille, c'est un truc incroyable. Hein, donc je pense que moi, ça représente... Déjà, d'être ici, pour moi, c'est une victoire. Je suis très content d'être ici. Après, si j'ai la médaille, ce serait le top du top.